Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Moi ça va super. Aujourd'hui spécial 2K. Eh oui, 2K, vous êtes des dingues les amis. Mais des dingues. Comme j'ai dit dans les précédents lives, il y a un petit concours à faire spécial 2K et un petit cadeau à gagner. Mais avant de le découvrir, de quoi, du comment, je vous laisse. Bah, sur quoi les amis, à votre avis? Bah, sur l'intro, voyons! Comme je disais, les amis, avant de commencer cette vidéo, je rigole parce que l'intro elle est magnifique. Enfin bref, comme je disais dans cette petite vidéo au début, je disais c'est une vidéo spéciale 2K. Waouh! J'aurais jamais cru d'avoir des 2K. Franchement. Et vous, vous aurez cru? Enfin bref, je voulais vous dire vraiment merci les amis. Vraiment merci parce que vous êtes des ouf, des dingues. Vous êtes géniaux. Franchement, j'aurais jamais cru en faisant un changement comme ça que j'aurais été bien accueilli sur la communauté Fortnite. Franchement, c'est fou. Franchement, encore merci beaucoup, les amis. Vraiment, mais vraiment, vraiment du fond du cœur, merci. Peut-être que ça paraît pas beaucoup de cas pour certains, mais moi, franchement, c'est magnifique. Franchement, je suis content. Avoir les 2K, je suis content. Vraiment. Vraiment beaucoup. Parce que ça prouve que voilà, je fais pas ça pour rien. Qu'on passe des bons moments, tout ça. Quand je vous dis à chaque live, moi les abos, je les aime, tout ça. Enfin bref. Je suis vraiment fier de vous. Puis merci de cette jolie accueil que vous me portez à chaque live. Franchement, merci beaucoup. Et je voulais aussi signaler que je ne fais pas que du Fortnite les amis, je fais aussi du R6. Bien sûr, il y en a que c'est à fond dans Fortnite, tout ça, mais le jour que je fais des lives R6, ça n'empêche pas d'un petit coucou, un petit pouce, ça fait toujours plaisir les amis, toujours, même si vous n'aimez pas le jeu, au moins venez faire un petit coucou, on passe des bons moments aussi, hein. On passe vraiment des bons moments, je tenais vraiment à vous le dire. Bon, apparemment, à mon avis, vous êtes là, vous regardez cette vidéo, c'est pour quelque chose, c'est pour savoir c'est quoi le concours et c'est quoi à gagner. Je vais vous le dire les amis. Voilà. Je vais lancer un concours. Il s'agira, écoutez-moi bien les amis, il s'agira de me faire un nouveau logo les amis. Et oui, en fait il faudra me faire un nouveau logo. Après je vous laisse faire les amis. Je vous laisse libre à votre imagination. Il faudra me l'envoyer sous par adresse mail qui se trouvera en description dans la vidéo ou par Instagram. Si vous avez Instagram, envoyez moi par Instagram ou Facebook ou Messenger, enfin bref, tout sera sur la description. Et qu'est-ce qu'il y aura à gagner les amis? Je sais qu'il y en a qui attendent à le gagnant, il sera modo, je sais que je l'avais dit, mais encore une fois les amis, je vais vous expliquer. Voilà, j'ai parlé un peu à des youtubeurs, des streamers comme moi, parce que pour moi YouTube c'est une grande famille, parce que moi il n'y a pas de concurrence, il n'y a pas de tout ça, c'est que des amis, vraiment. Et ils m'ont dit, et c'est vrai que c'est pas faux, ils m'ont dit pour être modo, il faut le mériter. Il faut le mériter, il faut que vous soyez vraiment active, tout ça, parce que ça tombe, le gagnant, je vais mettre modo, ça tombe, il gagnera jamais. Et voilà, il sera modo et ça me fera chier parce que il sera modo non actif. En fait, pour être modo, les amis, faut vraiment être actif. Parce que je mets un modo, c'est pour m'aider dans mon live. Parce que si je mets un modo qui vient tous les 15 jours, ça sert à rien qu'il soit modo. Donc j'ai décidé de vous faire gagner autre chose, les amis. Autre chose. Mais, les amis, j'ai toujours besoin d'un modo. Donc, si je vois qu'il est bien, qu'il est sympa, qu'il est vraiment actif, qu'il est tout en là à chaque live et tout, je le mettrai modo. Mais pas avant. Voilà, je ferai ça parce que faire gagner pour être modo, non, j'ai trouvé finalement en réfléchissant que c'était une très mauvaise idée. Voilà.
Donc, le gagnant, logo. En fait, je vais voter le meilleur logo, je vais voter. Avec mes modos à moi, on va voter, on va se réunir. Enfin, les logos que vous m'aurez envoyés, je vais faire un petit montage. Je le ferai voir à la communauté. Et moi et mes modos, on se réunira pour décider qui c'est le meilleur, qui c'est qui a fait le meilleur logo. Et il gagnera une carte PSN ou Xbox ou Google Play, peu importe, il choisira, d'une valeur de 10 euros. Je sais que c'est pas beaucoup, je le sais. Parce que, bah, vous savez, moi, j'ai pas beaucoup de moyens. Enfin, c'est une petite chaîne YouTube. Alors, moi, je peux pas tout le temps faire des cadeaux. J'en ai déjà fait beaucoup, hein, des cadeaux. Bah, pour ceux qui me connaissent, qui me suivent depuis longtemps, j'ai fait un live de 24 heures. Oui, j'ai fait un live de 24 heures. J'ai fait gagner deux cartes de PSN de valeur de 10 euros. Oui. J'ai même fait un live de 30 heures. J'ai refait un autre cadeau. Et cette fois-ci, ils ont gagné des disques durs. Il y en avait deux à gagner. Le disque dur de PS4. Et là, j'ai voulu vous faire participer à mon nouveau logo. Oui, à mon nouveau logo. Et le gagnant, il gagnera une carte PSN, comme je vous dis, ou Xbox ou Google Play. Enfin bref, d'une valeur de 10 euros. Bon, moi, je trouve ça honnête. Et vous, et confiance en moi, je sais pas une arnaque. Hein. Je sais qu'il y en a qui disent ouais, c'est une arnaque, nanana. C'est pas une arnaque. Hein. J'ai les preuves hein, que j'ai. Il y a toujours eu les gagnants, j'ai toujours envoyé les lots. En fait, c'est très simple. Le gagnant, je le dirai dans l'angle communauté. Regardez bien l'angle communauté, je le dirai là. Ou bien, je lui enverrai un message directement. Directement. En disant, en me contactant qu'il a gagné, enfin bref, vous avez compris. Hein. Et il se mettra en relation avec Cricri dans une vocale et on lui donnera le code qu'il aura choisi, soit Xbox, soit PS4 ou soit Google Play. C'est lui qui choisira d'une valeur de 10 euros. Voilà, je pense que c'est honnête, que c'est bien et que c'est mieux comme ça. Parce que si j'aurais fait gagnant un modo. Qui soit modo, bah ça aurait peut-être fait des jaloux, des trucs comme ça. Donc là, je préfère faire comme ça. Je sais qu'il y en a qui seraient déçus parce qu'il y en a qui, il y a la plaque qui me demande pour être modo. Je le sais. Je voudrais tellement dire oui, mais malheureusement, je ne peux pas parce que après d'être modo, c'est faut avoir confiance absolue, une confiance absolue parce que ils mettent, enfin comme je vous ai dit, comme modo, ça. Je peux pas mettre n'importe qui parce qu'une chaîne YouTube, faut m'aider, tout ça, faut être actif, faut être toujours là. Vu que moi, je fais beaucoup de live. Oui, en ce moment, je fais beaucoup de live. C'est vrai. Parce qu'avant, je faisais que le soir. Mais comme je vous ai dit, je me suis arrangé. J'ai changé mes horaires de travail vraiment pour vous. Pour faire des lives l'après-midi. Et le soir, je fais aussi le soir. Hein. C'est vrai que j'en fais un peu moins le soir. Ça, c'est vrai. Mais vous inquiétez pas, le soir j'en ferai régulièrement. Vous inquiétez pas. Après, comme je vous dis, faire un live, ça paraît bien parce qu'on est assis devant la télé, on joue, tout ça. Mais c'est épuisant quand même faire un live parce qu'il faut être dynamique, faut être super cool. Puis bah franchement, de toute façon, c'est un plaisir de faire des lives avec vous. Parce que vous êtes à chaque coup formidable. Je sais, je me répète, mais vous êtes formidable. J'aurais pas cru. Hein. Parce qu'il y en a qui m'ont dit, ouais, la communauté, fais pas du Fortnite. Je vous jure, il y en a qui m'ont dit, fais pas du Fortnite, ça va mettre que des histoires, c'est des gamins. Mais moi, j'ai pas trouvé ça. Je vous le dis, les yeux dans les yeux. J'ai pas trouvé ça. J'ai trouvé des gens super bien accueillants à chaque coup. Bah, vous m'accueillez toujours bien, tout ça. Et franchement, ah, ça me touche, quoi. Moi, ça me fait plaisir de faire des lives. Franchement, ça me fait plaisir. Vraiment. Parce que s'il y aurait des trucs qui n'y auraient pas, je vous le dirais, parce que je suis honnête. Moi, je suis honnête comme gars. Je suis super cool. Je me prends pas la tête. Je rage pas. Après, t'as un qui dit, ouais, ça se remake, des trucs comme ça. Moi, je m'en fous. Je m'en fous. Je prends du plaisir. Je m'en fous. Au contraire. Moi, je rigole. Ça me fait rigoler, quoi. On me tue dès que j'atterris. On me tue. Même si j'ai pas d'armes, tout ça, on me tue. Mais moi, ça me fait rire. C'est ça qui est génial. Parce que moi, je suis pas un rageux. Je m'en fous, en fait. Parce que je me dis, c'est qu'un jeu. Ou bien quand on me dit, ouais, t'es nul. Mais je m'en fous. Je le sais. J'assume. Je suis nul. Oui, je suis une grosse. Je suis une grosse merde au jeu de Fortnite. Je le dis, c'est vrai. C'est vrai, mais je m'en fous. Parce que vous savez quoi? Je prends du plaisir et c'est le principal. Parce que, comme je dis, si tu joues à un jeu, tu prends pas le plaisir, ça sert à rien du tout. Mais vraiment, à rien.
Enfin bref, je tenais vraiment à vous le dire. Bon, j'espère que ça vous fera plaisir ce cadeau. Je suis encore désolé pour ceux qui sont déçus que ça devait être Modo, mais j'ai décidé de faire autrement, les gars. Les gens, comprenez-moi, je pense que vous avez compris. Mais vous inquiétez pas, je cherche toujours un Modo, voire deux Modo. Mais je choisirai selon, comme je vous ai expliqué, qui est actif, qui est sympa et qui est toujours là. Et c'est bien de dire, ah, je suis actif, tout ça, mais il faut rester sur le live. Il ne faut pas venir 5-10 minutes puis partir. C'est pas ça active pour moi. C'est venir, rester un peu plus longtemps sur le live. Enfin, vous avez compris le truc quoi. Moi c'est ça un modo, un super modo. J'ai des super modos moi. Moi les modos, les pendant les. Je vous le dis, quand j'ai fait les lives, je les fais streamer hein, par contre hein, les modos. Hein. Je vous le dis, je vous le cache pas. Parce que quand j'ai fait des lives de 12 heures, de 24 heures, de 30 heures, bah, ils se relayaient. Ils se relayaient. Mais pour moi, ça m'a touché parce que des modos comme ça, bah ça court pas les rues, quoi. Il y a toujours eu un modo pendant les 30 heures, il y a toujours eu un modo, voire deux, qui ont toujours été là pour moi, pour m'aider. Au cas où, parce que des fois, je ne vous cache pas que des fois, le chat, c'est un peu le feu, hein. C'est un peu le feu. Mais bon, j'adore ça, j'adore ça. Puis bon, ceux qui. Il y a toujours des rageux, comme je vous dis, il y a toujours des rageux dans les lives. Mais après, les rageux, hein. Après, comme je vous dis, si ça vous plaît pas, vous mettez un pouce rouge et vous quittez. Au moins, vous ne serez pas venu pour rien, comme je dis. Un pouce rouge, c'est pas grave, c'est un pouce rouge. Comme je vous le dis, un pouce rouge, bah, c'est vu. Un pouce bleu, bah, je suis content, voilà, tout simplement. Enfin bref, je voulais vous le dire. Bon, cette vidéo va bientôt se terminer, les amis. Je vous dis à bientôt dans un prochain live ou une prochaine vidéo. J'espère que ça va vous plaire, vraiment. N'hésitez pas à me dire qu'est-ce que vous en pensez dans les commentaires, hein, les amis. N'hésitez pas, bien sûr, n'hésitez pas aussi à partager cette vidéo, ça fait toujours plaisir. Le petit pouce-pouce. Si vous découvrez la chaîne, n'hésitez pas à vous abonner et à mettre à la petite cloche gauche, les amis. La petite cloche gauche, c'est important. Allez, je vous dis ciao, ciao, bye bye, à la prochaine et je vous aime. Et encore merci, merci du fond du cœur pour les 2K. Franchement, merci. Merci beaucoup. Allez, ciao, 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 bye bye. À bientôt, les amis.